Madame la maire et du conseil municipal, cette réunion de coordination régionale décentralisée est une première à Guéguignol. Donc, permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter pour les efforts et les performances que nous notons dans la prise en charge de notre santé. Et là aussi, je lève un chapeau à notre MCD, vraiment, qui a révolutionné positivement notre structure sanitaire à la satisfaction de la population. Donc, à tous, nous vous souhaitons un bon séjour et un bon travail. Je vous remercie de votre attention. Merci. Cédric et à l'ensemble de son équipe. Et transmettez aussi nos remerciements à Madame le maire. Voilà. Maintenant, je m'en vais donner la parole à Monsieur Étienne. Mais aussi le représentant des maires et tous les médecins aussi, chefs de district qui sont ici présents. Donc nous saluons vraiment cette réunion de coordination décentralisée qui a été organisée aujourd'hui à Guéguignol. Donc nous remercions tout le monde de leur déplacement et nous leur souhaitons la bienvenue ici à Guéguignol. Nous remercions également le médecin chef de district. Vous avez vu auparavant, quand vous venez, grâce à son engagement, qu'on a eu cette salle pour accueillir la réunion de coordination. Demande à tout le monde merci et merci beaucoup vraiment. Merci. Tout à l'honneur du médecin chef du district, mais également de l'ensemble de l'équipe qui l'accompagne et qui l'appuie. Félicitations encore une fois. Docteur Dia, vous avez la parole. Comme on a l'habitude de le dire, Guéguignol aussi, c'est un des, ou bien une même des capitales de la capitale du rail. C'est la deuxième capitale du rail au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, je pense que le train est en marche, que tout le monde se converge vers le centre de santé de Guéguignol. Les félicitations et les remerciements que vous avez adressés à notre rencontre, c'est toute l'équipe, c'est pas que le médecin chef. Parce que sans l'équipe qui est derrière, on ne pourra jamais accéder à cela. Donc nous remercions aussi le conseil départemental, nous remercions la mairie de Guéguignol et nous disons aussi à tous nos autres, soyez vraiment les bienvenus dans votre terre naturelle de Guéguignol. Et donc je pense qu'avec les activités, on va tout autour, on va faire le point concernant le trimestre, le quatrième trimestre de nos activités au niveau de la région de Kaolack. Donc, Madame le Directeur, je ne vais pas vraiment s'attarder à prendre la parole et vous laisser continuer et que vraiment que cette réunion aussi soit le point de départ pour que la région de Kaolack accepte au plus haut sommet. Pour illustration avec la Tibi, vous voyez que la région de Kaolack est à 100%. Donc nous souhaitons que tous les indicateurs de la région soient à 100%. Merci encore une fois. Merci beaucoup, docteur Dia. C'était durant un délai très court, hein, vous avez accepté spontanément. On en avait parlé, mais ce n'était pas décidé de façon définitive. Mais dès qu'on vous a saisi, vous avez accepté spontanément. Donc, soyez-en remerciés et vous avez pris toutes les dispositions pour que cette réunion se réalise dans de bonnes conditions. Alors, c'est une instance de coordination régionale qui fait partie de nos instances régaliennes où on fait le suivi de la mise en œuvre des activités, des programmes de santé du ministère. Alors, comme vous le savez, ça se fait dans un contexte où la rétention des informations sanitaires continue, mais quand même, on va partager des informations concernant donc, et des activités qu'on a eu à mettre en œuvre au niveau du projet 3C19 et Badienogor. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, vraiment, je voudrais aussi remercier particulièrement le conseil départemental parce que je pense que la dernière fois que j'étais venue,
c'était dans le cadre de la signature des contrats. Vraiment, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport donc à l'enrôlement du personnel communautaire du district dans ce programme-là. Et c'est le lieu aussi de remercier vraiment, très sincèrement, les collectivités territoriales de façon générale du département de Guinguinée. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, particulièrement l'USAID qui a appuyé cette réunion-là, je voudrais donc déclarer ouverte la 4e réunion de coordination de l'année 2023. On la tient en 2024, mais en fait, c'est pour le compte du 4e trimestre de 2020. Bonjour, Christiane Diane. Bonjour, merci beaucoup. Je suis consultant du projet. Il a aussi doté des ambulances au niveau de certains postes de santé. Donc toujours, nous continuons en plaidoyer pour que, au niveau du centre de santé aussi, ils avaient promis de faire quelque chose au niveau, c'est-à-dire en bâtiment administratif et tout ça là. Donc ça aussi, nous continuons ce plaidoyer là. En même temps aussi, concernant le cabinet dentaire, on a vraiment besoin, un réel besoin pour un fauteuil dentaire. Bon, entre-temps, on est en train de discuter avec d'autres partenaires qui nous ont promis, mais bon, comme on ne l'a pas encore vu, on reste sur nos fins. La mairie aussi, vraiment, vous continuez en même temps d'appuyer, et surtout aussi pour les évacuations sanitaires. Donc là, vous transmettez à Madame le maire, concernant les évacuations sanitaires, de renforcer un peu vraiment la dotation en carburant et en médicaments. Ça, je pense que c'est un plaidoyer qu'on lance à Madame le maire. Donc, remercier vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées très loin à Nioro, Ndofane, Kaolack, donc tous les chefs de service, et remercier au passage aussi notre, c'est pas évident parce qu'avec les activités ces temps-ci, beaucoup de MCD sont sollicités à travers certaines activités. Et vraiment de remercier aussi Dr Ndour qui a quitté au Wakunguna pour venir vraiment assister à la réunion de coordination. Donc on ne va oublier personne, on remercie tout le monde et prochainement, Inch'Allah, on va se retrouver à Ndofane. Merci à tout le monde. Je pense que j'avais oublié de donner une information générale au début, donc je l'ai réservée finalement à la fin. C'est le démarrage des activités du centre de santé secondaire de Medina Baye depuis le lundi dernier. Donc, les activités ont démarré, il y a un médecin et du personnel et ça a démarré. Donc, aujourd'hui, la région de Kaolack compte 2 centres de santé secondaires. Wakunguna amna rak légui. Je pense que nous avons tenu une très bonne réunion avec des échanges extrêmement riches. C'est le lieu de remercier vraiment tout le monde, tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Féliciter les districts et les encourager, les districts et l'ensemble des services techniques du ministère qui sont au niveau déconcentré dans la région de Kaolack pour le travail qui est en train d'être abattu, mais également les encourager parce que la santé, bon, c'est quelque chose de tellement délicat que les gens en redemandent toujours. Il faut qu'on soit exigeant par rapport à nous-mêmes. C'est tout ce qui explique vraiment les recommandations, les discussions à n'en plus finir et les recommandations. C'est toujours dans le but de bien faire parce que quand même, on a des vies humaines entre nos mains par la grâce de Dieu. Yalla lol la def. Donc, il faut que nous gorgorlout le maximum. Nous sabablou rek. Nga xamantene yalla momo yor résultat waye ñun liñ ci war ñu def ko ci ba mu mat seuk. Vraiment, c'est ce que je voulais dire et vous demander de transmettre mes félicitations, mais aussi mes encouragements à l'ensemble des acteurs du système de santé, depuis le niveau le plus bas, le niveau communautaire, aussi bien les ICP, les sages-femmes, les prestataires des centres de santé, de l'hôpital. En tout cas, je félicite, mais en même temps, j'encourage tout le monde à aller de l'avant. Vraiment.
cette mission-là, nous avons aussi les collectivités territoriales. Tout le monde sait que la santé est une compétence transférée. Vraiment, nous ne sommes pas seuls dans cette mission-là. On a toujours à nos côtés les collectivités territoriales. C'est le lieu aussi de le magnifier, de vous remercier, de vous demander de transmettre mes remerciements à Madame le maire de la commune de Guinguinew, mais également à Monsieur le Président du Conseil départemental de Guinguinew. Je pense que c'est sur ce que je vais déclarer close cette réunion de coordination régionale pour le compte du quatrième trimestre de 2023. Et je souhaite à tout un chacun un bon retour parmi les siens. Voilà, je vous remercie. La séance est levée. Waouh, man le docteur Aïssatou Barry Diouf, directeur régional de la santé bu Kaolack. Waouh, tay ji dañ fi dajé fi ci Guinguinew ci walu suñu réunion yi nga xamantene ndaje yi nga xamantene direction régionale de la santé da koy amal ñetti wër bu nek ak ñepp ñi nga xamné ñoy yëngu ci walu santé ci biir région bi ñetti wër yu nek dañuy dajé ak ñom muy ay agent de santé muy ay partenaire muy ñi nga xamantene ay acteurs communautaires lañu en tout cas ñepp ñuy yëngu ak même yenen secteur yi nga xamné ñom tamit dañuy intervenir ci walu santé ndax comme ni ngeen ko xamé santé du rek affaireu professionnel de santé santé dara la lo xamné dafa transversal amna secteur yu bari yo xamantene il faut que sen loxo dugg ci walu santé donc ndaje bobu dal mom ñukoy wowe réunion de coordination régionale mom moñu dajalé fi tay c'est la première fois nak ñuy ñëw fi ci Guinguinew ndax daño né naño tambali ci 2024 bi décentraliser ko parce que ñom ñoo daan ñëw Kaolack à chaque fois ñu né nak 2024 bi dañuy changer doxalin légui dañuy ñu nit dañuy déplacer wu dem ci district yi fekk leen xol ni ñu togué tog ak ñom defandoo ak ñom réunion de coordination Waaw tay ji waxtaan nañu ci ay poñ yu bari waxtaan nañ ci li ñuy tuddé surveillance épidémiologique surveillance épidémiologique moy li nga xamantene dañuy bayyi xel ci yenn fièvre yi nga xamné dañuy gawa walété té mën nañu andi li ñuy tuddé épidémie lolu ñun tout temps dañ koy bayyi xel diko saytu légui nak def nañ bilan bobu ci biir région bi xol lan lañu jotta am ci ay prélèvement xol ndax ñun kat li ñuy def ci walu surveillance bobu xarañ nañ ci am deet gis nañ ne wax deug ci yalla ñeenti district yépp am nañ ci taxaway bu am solo ba tax na sax amna li ñuy tuddé épidémie yu ñu jotta gis bu melni bu rougeole muy ngas nga xamantene légui de plus en plus mi ngi ñëwaat gis nañ ne amon na ben épidémie bu amone ci district Kaolack waye tamit ñak nañu xalé yoy yépp ba machallah def nañ duñu tuté riposte amone nañ tam quelques cas de dengue bari wul defena né 3 la au total ñaar Kaolack ak ben ñoro mais loolu yépp day wone né rek ñi ngi bayyi xel bu baax ci fièvre yu mel non wa té loolu dina gëna dalal xel parce que tamit bu féké né da nga tëdd rek di nelaw dara mëna la bét waye boy def surveillance day tax dara bañ la bét nga mëna téla fagaru la ngeen di xal ci askan liñuy xaar ci askan bi rek moy ñomit ñu bayyi xel parce que surveillance bi may wax ni amna surveillance à base communautaire nga xamne ci askan wala signaux yi di joggé bu ñëwé ñun ñu chambar ko xol ndax signal bobu kat war nañ ko gëna war nañu gëna xotal xol ndax fièvre biñ ci doon ragal mom la am deet donc askan bi ñu gëna bayyi xel ci lolu tamit mais aussi ñuy gëna dem ci structure de santé yi ku ci am lo yek ci sa yaram nga baña tok ba mu jeggi dayo ngay soga dem ndax bo télé jog rek defena mo gën fagaru mo gën faju waxtan nañ tam ci walu ñak yi waxtan nañ ci walu ñaku PV bi muy programme élargi de vaccination waxtan nañ ci walu ñaku même xalé yi nga xamantene ñi ngi tollu ci 9 à 14 ans ci HPV bi nga xamne moy ar xalé jigen yi ci li ñuy tuddé cancer du col de l'utérus lool tamit amna jéego yuñ ci def mais dañuy gëna ñaaxaat askan wi gëna ñaaxaat parents yi pour ñu gëna bayyi xel ci xalé yoyu ñu ñek leen ndax bu ñëk ba loolu amuñu ko woon jumtu way bobu ñu doon ñu permettre ñu ar xalé yi amuñu ko woon légui amnañ ko donc dañ ci gëna wara fagaru ndax gis nañu cancer yoyu
li nga xamantene mom lañuy def ci aduna bi. Voilà.